Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec la compagnie DIY Shoes. Donc je vous mets bien évidemment en barre d'infos le lien de la boutique et le lien des trois articles que j'ai à vous montrer pour ce colis. Voilà. Donc à souvenance comme ça, je ne sais plus s'il y avait des informations d'offres promotionnelles du mois. Donc sachez que si c'est le cas, vous retrouverez ces offres promotionnelles en barre d'infos. Tout élément important pour vous qui peut vous aider à faire des petites économies, je les mets en barre d'infos. Voilà. Et les liens directs des produits, vous n'avez pas à chercher. Vous cliquez sur mes liens. Je mets toujours un petit titre pour que vous sachiez à quoi correspond tel ou tel produit. Et tout de suite, ça vous amènera sur sa page. Voilà. Donc c'est parti. On y va gaiement. J'ai déjà enlevé les produits du sachet. Vous avez vu, j'ai une petite technique un petit peu différente. Je suis en forme aujourd'hui. À côté d'hier, ce n'était pas le cas du tout. Hier, Isa a fait une belle migraine. Ça faisait longtemps, depuis le Covid fin août. Je n'avais pas fait de migraine. Et là, mais lutter contre la douleur sans énergie, en se sentant vide, mais vide, ça a été compliqué. C'était dur. J'arrivais plus. J'arrivais plus. C'était compliqué. Enfin, bref, ceci étant, tout va bien. J'ai bien dormi, oui. Et c'est pas revenu cette nuit. Ça, c'est une grande chance. Allez, c'est parti. Premier article que nous allons admirer ensemble. Alors, j'ai remarqué que le scotch n'était pas très, très bien fermé. Je l'ai mis tant bien que mal pour vous montrer que ça nous vient dans une petite boîte comme ceci de protection. Et il s'agit, du coup, j'ai pu savoir enlever mon scotch. Comment j'ai mis ça, moi? Il s'agit d'un coverminder. Donc, c'est des petits aimants qu'on utilise, par contre cette fois-ci, c'est pour tout ce qui est diamond painting. Voilà, donc à l'arrière, vous avez un petit aimant rond et vous avez le deuxième. Voilà, donc il s'agit d'une jolie marguerite dans les teintes vertes avec le centre jaune. Vraiment, à quelque chose près, c'est la marguerite que l'on retrouve dans nos petits jardins. Les petites blanches là avec le pistil, enfin le centre de la fleur où les petites guêpes, etc. viennent butiner. C'est tout à fait ça. Elles sont super bien travaillées. Vraiment, beaucoup de relief. Elles sont très très jolies. Elles sont bien épaisses. Donc, différence entre Needle Minder et Cover Minder. C'est pour le même style de travail. Enfin, le cover, c'est pour déjà harmoniser votre toile. Avoir un aimant qui va retenir votre film de protection, qu'il soit transparent ou opaque un peu, qui est luisant, qui fait penser un petit peu quand même au papier sulfu. Donc c'est pour vous maintenir pendant que vous venez poser vos diamants, sans être embêté. Le needle minder, pareil, c'est le même genre d'article, sauf que souvent les needle minder, donc needle c'est aiguille, donc c'est les aimants à aiguille, sont de souvent, peu importe où vous les achetez, la surface du dessus est lisse et plate. C'est quelque chose de plat pour que votre aiguille soit couchée. Voilà, c'est juste la petite nuance, puisque leur but n'est pas tout à fait le même. Il y en a un, c'est pour retenir vos aiguilles, pour pas éviter de les perdre, et l'autre, c'est pour retenir l'opercule de vos diamond painting. Maintenant, rien ne vous empêche d'essayer avec un joli aimant comme celui-ci à volume, à relief, de venir apposer vos aiguilles. Bon, peut-être qu'elles ne tiendront pas aussi bien. Ça y est, j'en ai un qui commence à faire ses bêtises. Elles ne tiendront peut-être pas aussi bien que sur un élément bien plat. Mais voilà, ça fait quand même le travail. J'en ai déjà utilisé des cover minder pour du diamond painting, par exemple, dès que j'ai fait moi-même, avec des cabochons de forme arrondie. Voilà, ça se passe. Voilà. Donc, ce petit article. Alors, magnette, voilà. Ou tout simplement un magnette de frigo, hein, que vous venez mettre un petit post-it. N'oubliez pas de faire la vaisselle. Voilà, par exemple, petit mot doux. Donc, le magnette cover minder.
Marguerite verte. Donc il en existe plusieurs. Donc ça, c'est le modèle 5 au prix de 1,50 €. Ah oui, petit message à passer également parce qu'on m'a parlé de Doudou là, qui me faisait des grandes folies pendant la vidéo des 50 cases. Donc j'ai une personne qui m'a envoyé un petit mail. Je l'ai vu, hein, mais comme j'étais pas bien, j'ai pas pris le temps de répondre. C'était juste impossible pour moi. Disons qu'il est comme ça avec tout le monde. Il n'y a pas qu'avec moi qu'il a des petites crises comme ça. Et c'est pas non-stop hein, qu'il est comme ça. Hier, par exemple, je ne l'ai pas entendu de la journée avant-hier, pareil. C'est une fois de temps en temps. Et d'ailleurs, là, j'ai oublié de mettre ses croquettes. Donc, il va vouloir se faire remarquer auprès de moi pour me dire, ne m'oublie pas, moi aussi j'ai faim. Et sortir, alors toi, tu disais que tu avais trouvé la solution, si je ne me trompe pas, que là, on t'avait dit qu'il fallait qu'il ait besoin de sortir. Moi, il déteste sortir. Il a peur d'être dehors. Si je le mets dehors, il me fait comprendre, vite, vite, rentre-moi, parce que j'ai peur. Ah non, non, il a peur. Quand j'ouvre la porte d'entrée, parce que quelqu'un rentre ou on lui frappe à ma porte, non, il regarde, mais on voit, il a peur et s'en va à l'autre bout de la pièce parce que l'extérieur, pour lui, je pense que c'est un danger. Et il aime bien être avec nous, collé à nous et surtout à moi. Voilà. Donc, pour lui, il ne comprend pas. Hein, quand tu fais ses griffes sur les chaises, pour lui, c'est un support agréable à ses pattes. Et c'est pour ça qu'il fait ses griffes. Mais il ne le fait pas dans un sens de méchanceté, en fait. Il le fait dans un but. Doudou, par contre, ça, en caméra, c'est pas terrible. Hein. Ou si, des fois, parce que je vais faire quelque chose, je vais mettre ma main, il croit que je viens l'attaquer. Du coup, voilà. Mais sinon, non, non, c'est une brave bête. Voilà. Donc, 1,50 €, ceci. Donc, je vous le mets en barre d'infos, hein, bien sûr. Article numéro 2. Ah oui, et en plus de ça, merci Élise, elle m'a pris mon mètre ruban. Je n'ai plus mon mètre ruban. J'allais ouvrir. Alors, j'ai reçu ceci. Alors, il me semble me souvenir de ce que c'est. Parce que j'ai noté très peu d'informations. Mais il me semble bien que... Donc ça vous vient protéger comme ceci. J'aime pas craquer. J'aime bien respecter les emballages. Par contre, ouvrir de ce côté-là, c'est compliqué. Donc on va continuer ici. Hop. Ça colle, hein. C'est bien protégé. À l'intérieur, on sent qu'il y a des bulles. Oh là là, mes doigts. Bon sang. Voilà. Et donc... Oh, oh, j'adore. Regardez, ils ont pensé à protéger l'énorme cristal. Regardez-moi ce cristal. Bon, il a des petites griffures ici, mais rien de méchant. Alors cette partie-là, vous voyez hein, que c'est comme... On a l'impression qu'on est venu à poser des couleurs. Ça, c'est le fond, c'est l'arrière. Et c'est une petite fée qui se maintient comme ceci. Voilà. J'ai craqué dessus. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à quelqu'un. Je vous en parlerai plus tard. Quand je l'ai vu, j'ai... Voilà. Et ici, nous avons les 7 chakras. Regardez. Juste, il est juste magnifique. Juste magnifique. Donc, vous venez mettre comme ça. Et puis, voilà, c'est un bijou d'ornement. Et ouais, quand je l'ai vu directement, de toute façon, mon cerveau, il s'est arrêté dessus. Donc, il est en... Vous voyez, c'est une fine matière. Alors, lui, du coup, il est tiré par le lien que j'ai dans ma main. Donc, tout fin. Vraiment joli. J'ai la pochette qui me colle. Attendez, hein, parce que si je lâche le lien, j'ai bien peur qu'il y en a un qui s'en occupe. Voilà, ça envoie des reflets de lumière. Voilà. Non, mais c'est juste à tomber par terre. Et vous avez une petite chaînette ici pour l'accrocher. Hein, vous voyez un petit peu comment vous voulez l'accrocher. Non, Doudou, ce n'est pas pour toi. Alors, non, non, tu viens ici, mon garçon, et je te mets... au sol. Voilà, c'est un terrain de jeu pour lui, hein, les jouets de maman Isa. Bah oui.
Donc il n'y a pas de sens, hein. Ça y revient à la charge forcément, hein. Ça l'attire. Donc c'est magnifiquement travaillé entre, je compte bien, non doudou, laisse ça, 3, 4, 5, 6, 7. Mais tu es embêtant, je viens de te mettre par terre. En plus il est lourd. Non, tu restes là. Dans 3 secondes, il est de retour sur la table. Donc, je vais bien le frotter parce que je suis en train d'y mettre mes empreintes de partout. Donc, et voilà, le gros, gros, gros diamant. Et il pèse son poids, le cristal, je peux vous le dire. Juste magnifique. Donc, entre chaque petite perle à facettes, on a une petite... Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces perles-là, parce que j'en avais aussi, mais en plus grand. Je faisais des bagues avec ça. J'ai intercalé, pareil, hein, des perles entre les deux. Et... avec des petits strass à l'intérieur au niveau des rondelles. Voilà, des rondelles. Donc, il est juste magnifique. Ah, j'adore. Voilà. Donc, gros craquage, gros coup de cœur sur ce modèle-ci. Je prendrai bien soin de le lustrer avec le chiffon que j'utilise pour frotter les lunettes. Ça sera génial. Mais je le mettrai davantage protégé parce que j'ai pas envie que le cristal... Je mettrai du bulle autour. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça quand ça ne s'explique pas, quand on voit, hop, aussitôt, ça nous fait penser à une personne. Et du coup, ben voilà, ça fera partie des petits présents que je vais faire autour de moi. Et j'en suis ravie. En tout cas, j'espère que voilà, il fera son effet. Oups, là, là. Ah bah oui, ça, tu le tiens à l'envers, donc forcément. Donc du cristal, hein, c'est du verre, ça casse. Hein. Voilà, juste à tomber par terre. Bah, je suis obligée de le mettre comme ça, sinon je ne sais pas le plier dans l'autre sens. Et bien sûr, hop, ça vient se scotcher sur moi. Alors je vais bien mettre à plat le cristal d'un côté et la petite fée de l'autre. Parce que comme c'est, vous avez vu, hein, c'est assez fin, j'ai pas envie qu'elle prenne une mauvaise forme, là je recouperai correctement pour refermer. Voilà, donc juste magnifique. Hop, ça, tiens, tu veux ça, doudou? C'est cadeau de consolation. Donc, cristal pendant 6,50 € pour cette petite merveille, un vrai bijou. Ensuite, une toile. Il va falloir que je me munisse, bah, même pas. Je ne vais pas pouvoir la mesurer avec la règle, hein, parce que vous allez voir son envergure. 90 cm à mesurer, c'est juste pas possible. Je vais l'ouvrir. Donc ça fait partie des toiles avec les organisateurs individuels, hein, les petites cartonnettes. Donc c'est la compagnie sans nom. On a l'enfil aiguille, l'anneau, le pompon avec 5 aiguilles pour du 11 CT puisque c'est une toile 11 CT. Et d'ailleurs, cette compagnie à ce jour ne fait que du 11 CT. Voilà, donc on va déballer ceci. C'est marrant parce que la toile ne paraît pas grande alors que le modèle est quand même grand. Mais grand mais long, mais pas large. Ouh là là! Pour déplier, c'est super pratique, je vous le dis, moi. Donc, j'ai craqué depuis un moment. Alors, l'illustration est un peu floutée. Hop. Voilà. Donc, il s'agit d'une illustration où on a je ne sais plus qui ici, parce que c'est un peu flou. Vous la voyez mieux, vous, en caméra. On a Pinocchio, on a Blanche-Neige, on a la vilaine sorcière, enfin, là aussi, hein, qui vient offrir la pomme. On a Peter Pan, ici on a une sorcière, on a la belle et la bête, on a le chat de Alice, Timon, dans Timon et Pumba, si je ne me trompe pas de prénom des deux, Babar, ah c'est rare qu'on l'a, le génie, et on finalise avec les doigts vers les étoiles, Mickey. Non, elle est chouette, elle est vraiment sympa. Puis c'est vrai que là du coup on a un petit peu des personnages qu'on n'a pas toujours. Je sais pas si c'est tic et tac, je sais pas trop dire. Il y a plus, on a l'impression qu'il y a plusieurs personnages ici.
Mais Peter Pan, il est super bien dessiné, on va dire. Tous les personnages sont beaux, hein. Le génie, c'est rare qu'on le voit. Lui, c'est pareil. Il y en a un qui tient ses oreilles d'ailleurs. Donc c'est peut-être Timon et Pumba, les deux qui sont là. Babar, c'est bien ça, hein? Ouais. Parce que l'autre fois, ma fille a rigolé de moi et je me trompais. Pourquoi je dis Babar? C'est pas Babar, c'est Dumbo. Voilà, encore une fois, je me trompe. Pourquoi Babar? Ah, c'est un dessin animé que mes filles regardaient avec des éléphants. Ouh là 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 là, Isa, ça va plus. Oui, mais je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un problème dans ce que je disais. C'est déjà pas mal. Ah, c'est peut-être Aladdin ici et Jasmine ou je sais pas. C'est tout petit, c'est flou. Donc, j'arrive pas à dissocier. Voilà. Donc, c'est une 11 ST qui fait 30 cm de large sur 90. Ah, c'est pas mal ça comme toile. Hein. Et à la limite, vous savez à quoi je pense? On pourrait venir faire un. Comment on appelle ça? Pour mesurer la taille de vos enfants. Vous jouez bah, sur la hauteur, à quelle hauteur vous allez disposer, par exemple. Je sais plus le nom. Je suis en train d'en faire un pour mon petit loulou avec Mowgli et tout ça. Et bah, suivant la hauteur à laquelle vous allez démarrer à mettre sur le mur votre toile, on va se dire, allez, on met à 70 cm du bas du mur. De toute façon, c'est vrai qu'on mettrait rarement en bas, ou 80, ou 1 mètre. Et hop, vous la mettez là, et ça vous laisse une marge quand même considérable pour venir y apporter de vous-même des petits traits à côté pour bah, que votre enfant, ou comme moi, petit enfant, vienne se mesurer. J'ai plus le nom en tête de comment ça s'appelle, mais voilà, une. Ah bah, j'ai l'impression que dans chaque vidéo, je cherche un mot. En ce moment, c'est un peu le cas. En dessous, nous avons les instructions. Donc oui, hein, ce que je viens de vous dire, c'est une idée de ce qu'on pourrait éventuellement faire du fait que ça se présente en forme de banderole. Donc sur le côté, nous avons le patron. Cette illustration nous propose 48 couleurs. Non, j'ai plus le nom du truc en tête. C'est pas un nom que j'utilise non plus couramment. Hein. J'en parle pas tous les jours non plus. Donc, c'est pas un nom que je retiens. Donc, elle nous fait 104 points comme ceci. Bon, il y a des petites bavures légèrement. Ça a dégorgé ici un peu de jaune, mais c'est la couleur du fond. Donc, c'est pas gênant. Ici aussi, une petite bavure, mais ça n'enlève pas les symboles non plus. Doudou, on met pas ses pattes là. Enfin, voyons. Et voilà, je vous montre sa hauteur. Ah, j'ai plus le nom hein, de comment ça s'appelle. Voilà. Franchement, il y a beaucoup de quand même de blocs. Même à l'intérieur, hein, il y a du bloc. Regardez, par exemple ici, le 3. Et pourtant, à l'œil nu, comme ça, s'il n'y avait pas le chiffre 3, on ne penserait pas que c'est bloc. Mais si. En fait, c'est la mixité. Des symboles qui sont bah, des points, des triangles, des cercles évidés, des flèches. À force de voir tout ça, nous, notre cerveau, lui, il a des informations de couleurs, des informations de style de symboles. Et du coup, bah, nous, c'est un petit peu complexe. On y voit beaucoup de choses et en fait, c'est pas si confetti que ça au final. Voilà, puisque c'est quand même là aussi, je suis en train de regarder, ce sont des points qui se suivent. Là, par exemple, je vous montre à plat, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais je vous explique. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq flèches qui se suivent quand même. Donc, ici, pareil, j'ai une flèche, j'ai des flèches ici, j'en ai une là, ça se suit comme ceci, ça descend un peu et ça remonte là. Il y a une logique dans la continuité des points. Non, j'allais dire une fresque. Non, c'est pas une fresque non plus. Enfin, voilà. Ça peut être ouais, une solution. Hein. En plus, ça peut être mixte hein, dans le sens qu'il y a quand même Peter Pan, le chat, la bête. La Belle et la Bête, ça peut être un dessin animé aussi bien masculin que féminin. Timon et Pumba, Mickey, le génie d'Aladin. Pinocchio, donc c'est quand même assez mixte. Hein. Donc ça peut être sympa. Bon, j'ai plus le nom de la chose en tête. En tout cas, le patron est très lisible.
Ça fait un moment qu'il existe, hein. Et ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Donc je pensais qu'au niveau du fil, on allait les retrouver sur les organisateurs habituels, mais non. Voilà. Donc ici, ben, vous avez la légende avec toutes les couleurs, 48 couleurs. Alors j'ai vraiment le dos adossé à ma chaise, j'espère que vous m'entendez bien depuis un petit moment. J'ai les symboles de chacune d'entre elles, leur code couleur à côté. Et voilà, on vous met des petits carrés avec des couleurs. Donc c'est la couleur que devrait donner votre couleur de fil en venant à poser vos petites croix. Donc ça c'est vraiment à prendre pour une aide un peu visuelle, mais voilà, c'est jamais vraiment concret, c'est jamais vraiment la couleur que vous voyez là. Des fois c'est pas ça du tout, c'est juste à titre indicatif. Moi je vous dirais de prendre cela comme de cette manière-ci. Donc qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre, les amis? Ah oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a du 310? Non, on a du 309 et on a du 311. Alors, on a du 939, donc le 939 nous fera office de noir, tout en sachant quand même que on a l'impression que tout se passe ben, dans des couleurs sombres de nuit, couleur feu. Donc, du coup, les couleurs prennent des tournures différentes. C'est pour ça qu'on ne nous a pas mis du noir. Ah, ça y est. Oui, je t'ai pas donné à manger. Je le sais. J'aurais dû. Ça, c'est pas à moi. Quand j'ai Élise qui laisse traîner ses trucs et je ne sais même pas si c'est pour mettre à la poubelle. Donc, ça attend sur le bord de la table. Voilà. Voilà tout pour le patron. Je regarde davantage. Alors, pour mesurer, pour moi, ça sera juste compliqué puisque je n'ai pas mon mètre ruban et ma fille est au travail. Donc, je ne sais pas où elle me l'a mis. Donc, toile surjetée. Donc, ça, c'est super appréciable. En largeur, ben, ça donne ça. Donc, c'est super pratique. On peut venir la rouloter pour la travailler. Alors, soit vous roulotez du haut vers le bas. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-là, vous commencez à travailler en bas. Et au fur et à mesure, ben voilà, vous détendez votre projet. Ou simplement, vous roulotez aussi tout le bas et vous démarrez en haut. Et au fur et à mesure que vous descendez, vous déballez. Voilà, je pense qu'il est peut-être plus simple. Tiens, tu veux un papier? C'est cadeau. C'est peut-être plus simple de la rouler en bas. Voilà, je fais vraiment de manière, hein, parce que là, elle est épaisse là, j'ai fait un rouleau vite fait, hein. Vous voyez, de la travailler comme ceci, et à force de descendre, hop, je déballe. Et au moins, je ne viens pas rouloter la partie qui est avec ces petites croix, qui est brodée. Non pas que ça abîmerait, je ne pense pas, mais voilà, moi j'ai toujours ça en tête, la peur d'abîmer. Voilà, donc moi je travaillerai de cette manière-ci. D'ailleurs, regardez, on voit très bien qu'on a quand même pas mal de zones blocs. On a plein de petits zigouigouis confettis avec ce symbole triangle. Ah, c'est toutoune, je me suis demandé c'était quoi ce bruit. Même mon chat s'est demandé quoi. J'arrive. Bon, et ben pour arranger le tout, je ne sais plus trop de quoi je parlais, mais il me semble que je parlais de mes symboles triangle. Donc j'en ai par-ci, par-là. Là, j'en ai d'autres autour des cercles et un plus. Voilà, mais... en plus, elle n'est pas large. Donc, on se dit qu'on avance, on doit progresser quand même assez vite dessus. Hein. Non, c'est super. Et puis, la petite idée que je vous ai donnée... alors, la toile n'est pas très large. Donc, il faudrait vraiment... À la place de ceci, je vous conseille de le faire à la limite une fois que vous avez terminé, si vous voulez faire ce que je vous ai donné comme idée, hein, une fois que vous avez terminé de la broder, pour que tout autour s'efface, de venir, bien sûr il faudra mesurer, hein, on va pas faire ça dans le flou, et de par exemple la démarrer en bas, parce que bien sûr il faudrait la démarrer en bas, donc on va dire on ne voit plus les chiffres ici puisqu'on l'a passé dans l'eau, il n'y aura plus rien. Et de se dire, ben, le premier trait, on le fait ici. Et par exemple, on vient noter 90. Et je prends une règle et je regarde
90 plus 10 ou plus 5, vous faites de 5 en 5. Et vous venez broder sur le dessus, hein, puisque le côté, ça va être peut-être limite, ou alors en plus petit, mais faire un trait pas trop large. Regardez ma vidéo justement par rapport à ce produit que vous allez revoir de toute façon, parce que Loulou grandit. Et puis l'année prochaine, ma fille déménage, hein, en fin d'année, logiquement, si tout se passe bien, j'espère que ce sera pas aux fêtes de Noël, ça va être compliqué sinon. Donc voilà, pour voir un peu comment faire le trait et trouver aussi, mais ça se trouve un peu partout, comment broder des chiffres en point de croix. Alors là, il y en a une quantité faramineuse, à vous de choisir le style de lettres, de chiffres, on va dire plutôt, qui vous intéresse le plus. Mais ça peut être une très très bonne idée, une très très bonne alternative. Et je me disais même que si ma fille avait un deuxième, je pourrais éventuellement le faire aussi. Voilà, à chacun son produit pour pouvoir se mesurer sans faire de traits sur les murs. Je rigole, vous voyez, je m'étouffe. Je vais boire une goutte de café et que je n'ai pas fini. Je suis désolée. Hein. Voilà, ça fait du bien. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de me dire? Donc après, on peut aussi venir le mettre dans un cadre ou faire un cadre de soi-même. Mais c'est vrai que si on met aussi encore dans un cadre, ça va encore réduire. Il faut vraiment peut-être prendre un cadre un peu plus large et utiliser le sous... Comment ça s'appelle? Le sous-main? Non, je ne sais plus. C'est le petit... aujourd'hui, ça ne va pas. Mais c'est pas non plus quelque chose que j'utilise souvent à parler. Donc voilà. Vous avez un... Quand vous achetez des cadres, vous avez un contour tout cartonné qu'on peut enlever, utiliser ou pas. Je vais me moucher, je vous reviens. Ah, bah ça fait du bien. Voilà. Donc oui, prendre un cadre par exemple plus large. Avec cette bande qui est dans le cadre, je suis désolée hein, pour les termes que je n'ai pas aujourd'hui, et de venir, vous voyez, du moment qu'on vient cacher, même si ce n'est qu'une partie infime, mais qui vous laisse de quoi venir, par exemple, broder vos chiffres et vos petits traits de repère pour mesurer votre petit bambin, on va dire. Donc voilà, moi je le mettrai sous vert. Comme ça, bah même si on veut avec un petit feutre, genre Velleda, faire un petit trait sur le bord pour lui dire, regarde, à cette période-ci, tu mesures autant, je fais un petit trait de repérage. Et puis, ce serait rigolo de se dire, oh, bah, j'arrive au chapeau de la sorcière. Ou paf, dans le nez de la sorcière. Vous voyez, ça peut être aussi un peu ludique de venir mesurer votre enfant avec quelque chose de super sympa qu'on peut voilà, mettre pour décorer sa chambre. Voilà, moi je fleuris d'idées non-stop. Hein. Chez moi, c'est tout le temps, c'est tout le temps ça dans ma tête. J'ai tout le temps baigné dans les loisirs créatifs. Donc forcément, je pense à certaines copines qui m'appellent la My Giver des loisirs créatifs ou Madame Paillette. Ah oui, moi c'est comme ça. Voilà, donc je pense vous avoir. J'allais dire sous-chef, non, c'est pas un sous-chef, le truc cartonné. Enfin bref, je pense que vous voyez de quoi je parle. Voilà, je pense que je vous ai donné des petites solutions avec comment faire. Oui, et ça, pourquoi pas, pour un deuxième enfant chez ma fille. Vas-y mollo, Isa, vas-y mollo, ma fille, parce que j'ai du retard. Hein. Je veux faire des chaussettes de Noël pour mes petits-enfants. Déjà, j'en ai qu'un. Mais je dois faire pour ici. Ouais, non, mais ça prend du temps, l'air de rien. Ça prend du temps. Voilà. Donc, mesurer, ben non, ça ne sera pas d'actualité aujourd'hui. On dit merci qui? Merci Élise. On va regarder les fils. Alors, c'est vrai que dans nos boutiques, ce genre d'article pour mesurer les enfants, j'ai pas le nom, toujours pas le nom qui m'est revenu. Hein. Puis, si je voulais chercher dans mon téléphone, il faut que j'éteigne et puis je redémarre une vidéo. Donc,
Qu'est-ce que je disais? Voilà comment je suis les lendemains de migraine, c'est terrible. Oui, dans les boutiques, ce genre de produit, je l'ai vu qu'une fois, je l'ai pris, donc celui que je suis en train de faire pour Léo. Mais on a la possibilité avec ce genre de produits qui sont en long et pas très large, hein, je crois qu'il est même de la même taille ou un peu moins large peut-être que celui que je suis en train de faire à mon petit loulou, et ça pourrait tout à fait matcher pour faire ce style d'article à sa manière. Donc voilà, j'ai tout déplié. Ça en fait hein, des fils. Voilà, de l'autre côté, des couleurs chatoyantes. On est dans de la luminosité là, extrême. Donc, c'est parti. C'est le moment d'Inmastic d'Isa. Comme par hasard, j'ai pris deux teintes roses. Elles sont belles. Bien sûr qu'elles sont belles. Ici, voilà, c'est ces couleurs qui vont faire vers le bas. Et puis j'ai aussi la belle. Hein. Mais on voit qu'il y a des luminosités comme si qu'il y avait un feu allumé. Ouais. Il y a la sorcière qui est pas loin. Enfin voilà. 939. Voilà. Celui qui se rapproche du noir avec des connotations d'abord c'est du bleu, connotation. Encore 939. J'en ai plein. Encore un ici. Il y a des soirs, je me pose, je vais au lit, hein, comme tout le monde. Et je me vois faire des croix et des croix et des croix. Ça, c'est souvent quand je fais aussi une migraine, par exemple. Quand je ferme les yeux, je me vois faire des choses en boucle. Voilà. C'est pas du 939, hein. 823, c'est un bleu marine. Bon, ça, c'est les deux mêmes, donc je les superpose, c'est pas grave. Donc ici, c'est un bleu électrique. Trop joli, j'adore. Allez, je vais bientôt pouvoir... Ah, je vais peut-être pouvoir fermer ma... ouvrir ma persienne plutôt. Je vous reviens de suite. Voilà, j'ai laissé... J'ai inversé. J'ai allumé la lumière côté salon. Ouais, là, c'est deux différentes, mais vous voyez, assez similaires. De toute façon, elles se suivent. Hein. 742, 743... Bon, j'ai toujours pas le nom du produit, du nom que ça porte, mais c'est pas grave. Du 720. Là, on a de tout au niveau couleur. On a des violets, on a des roses, des oranges, des jaunes orangés, de l'orange, du bleu marine, beaucoup de bleu marine, mais on va avoir du bleu ciel. Des rouges intenses, des bordeaux intenses, des violets intenses. Ouais, c'est vrai que je ne fais que le dire, mais pour vous présenter ces produits, vous les montrer. Alors 309, c'est les mêmes, donc je les mets l'un sur l'autre. Voilà, si ça se trouve, je vous montre des couleurs, je vous ai déjà montré. Hein. Ça, c'est le... C'est le souci, je ne sais pas trop. Mais au moins, vous avez tout vu ce que j'ai. Ah ouais, c'est vrai que ouais, cette présentation à vous montrer en vidéo, c'est pas simple. Mais moi, je voilà, j'ai envie que vous voyez tout, qu'on prenne le temps de le faire avant que vous vous lanciez à corps perdu. Que vous soyez un peu au courant des couleurs, satisfait, satisfaite. Ouais, voilà, j'arrive petit à petit à la fin. Voilà, elles sont belles, hein, de jolies couleurs. Jolie qualité de fil, hein, ça je peux vous le dire. Voilà. Il y en a encore. Hein. Hop, j'essaie de vous en présenter trois là, qui n'ont rien à voir dans leur couleur, mais pour essayer d'accélérer un peu le pas. Voilà, ça devient bon. Il y a encore, mais ça devient bon.
Ah, c'est très physique à vous montrer parce que moi je les étends correctement. Hop, après je retends avec mes doigts. Alors qu'un organisateur, on passe du premier au dernier, etc. Et ça va beaucoup plus vite. On a beaucoup plus vite un résultat démonstratif que là de vous montrer un par un ou deux par deux ou par trois. C'est pas toujours évident. Voilà, j'ai encore une couleur après à vous montrer. Elles sont belles, hein? Et voilà la dernière. Et voilà. Donc, joli panel de couleurs pour cette illustration de Disney que je suis contente. Donc, je remercie infiniment DIY Shoes pour ce joli colis qu'ils m'ont envoyé. Je commence à avoir la main un petit peu pour les ranger. Voilà la petite pochette. Hop. Voilà. Alors je recoince bien avec mes petites mains sans abîmer les cartons qui se positionnent sur l'arrière. Voilà. Et je chasse un peu l'air. Voilà. Désolée pour les bruits. Je sais que ça fait beaucoup de bruit et je m'en excuse. Mais vous savez, avec mon... Oh là, avec mon petit farceur, il faut ce qu'il faut. Hein. Il faut tout ranger en temps et en heure, sinon on est fichu. Ben, surtout que j'ai encore... rien débarrasser de ma table non plus. J'ai dit déjà, tu fais une vidéo. Là, je vais m'occuper de faire ensuite la petite miniature que vous avez en présentation de la vidéo. Et ensuite, je vais m'occuper de produire, mais pareil, encore des annotations à venir faire manuellement, le nom de la boutique, etc. Et après, une fois que ça bascule sur YouTube, on a encore du boulot à faire. Et je vais essayer de vous mettre une deuxième vidéo parce que comme je vous dis, on n'est jamais à l'abri et la preuve en est que la migraine d'hier, en général, c'est 2 à 3 jours. Je touche du singe. Voilà. Donc, on va revoir ensemble les produits que je vous ai montrés de chez DIY Shoes, que je remercie à nouveau. Donc, ici, il s'agit d'une toile estampée 11CT Disney en long, j'ai noté. C'est pour moi me souvenir de ce que c'était. 30 par 90 cm. Bien sûr, je ne l'ai pas mesurée. Merci, Lise. Au prix de 12,25 €. Voilà. Ensuite, je vous ai montré en premier temps le petit cover minder, donc le petit aimant pour le diamond painting, logiquement. Maintenant, on en fait ce qu'on veut. Hein. Magnette Cover Minder, marguerite verte. C'est le. J'ai sélectionné le 5 et c'est au prix de 1,50 €. Et ceci, la petite fée avec son cristal et les 7 perles. Alors, voilà, logiquement, on dit que c'est les chakras. Maintenant, on en dit ce qu'on veut. Et on appelle ça aussi un carillon avant dans les boutiques. Donc j'ai noté cristal pendant 6,50 €. Ah, c'est le chat qui fait ses grises sur le nouveau tapis. Je préfère qu'il les fasse là. Que, vous voyez, il cherche où faire ses grilles. Il faut bien qu'il les fasse quelque part, puisque c'est pas un chat qui aime aller dehors. Dans mon jardin, j'ai pas spécialement d'arbres, d'arbustes au fond, mais avant il y a tous les feuillages et ça non plus, il s'aventure pas là-bas, il a peur. Voilà. Il a des arbres à chat dans la maison, hein, mais voilà, c'est comme ça, que voulez-vous. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Les prix que je viens de vous donner, bien sûr, ce sont les prix que j'ai relevés. Je note plus les dates des échanges, partenariats, je le fais plus. On évolue aussi, hein, nous, dans le temps, dans la manière de présenter. Au début, que je faisais des unboxings, je vous parlais de mon temps de budget accordé. Mais bon, pour tout, c'est quasiment la même chose. Quand on additionne un peu tout ce que je vous ai présenté, vous voyez qu'on tourne autour de 20 euros, 20 dollars.
Voilà, donc c'est toujours à peu près à 2 ou 5 $ près suivant les partenaires. La même chose, ou voilà, ou des partenariats où il n'y a pas de budget, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, au moins vous avez vu ma petite sélection du jour avec des choses un peu différentes, très jolies, qui n'y a rien à faire, c'est juste des ornements de décoration. Voilà, qui peuvent nous toucher en plein cœur. Voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Pensez-y. Moi, c'est quelque chose que je fais à chaque fois avant de regarder une vidéo. Je le mets d'office pour le courage que la personne a fait sa vidéo. Peu importe son contenu. Alors oui, ce que je regarde, c'est quand même des contenus qui m'intéressent. Je ne vais pas aller liker un truc que je ne connais pas, de savoir qu'est-ce que la personne va dire, est-ce qu'elle parle bien, est-ce qu'elle parle mal aux gens, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je mets toujours un petit pouce d'encouragement et puis voilà, et je mets aussi quand je peux et quand j'y pense un petit commentaire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous!